franchement, je trouve que Minecraft de base est vraiment pas assez joli. C'est pour ça que j'ai décidé de l'améliorer avec des mods incroyables. Tellement incroyables qu'à la fin, Minecraft sera aussi joli que la vraie vie. Eh bien, commençons par le jeu de base. Ce bon vieux Minecraft avec ses arbres cubiques, ou encore son eau très bleue. C'est sympa, mais franchement, il manque un truc. C'est vraiment pas assez joli. Et tu sais quoi? On va remédier à ça en ajoutant un premier mode qui va améliorer notre jeu. Tada! Regarde comme je vois super loin. Je te présente Distant Horizon. Ça permet de voir super loin. Regarde comme c'est magnifique. On voit une jungle qui est tout là-bas, au loin. C'est super pratique pour trouver les biomes. Imagine, je cherche une plaine. Bah, y en a une là. Je cherche de la taïga. Bah, y en a tout là-bas. C'est juste incroyable. Rien que ce petit ajout pour commencer, c'est fou. Ça change le jeu complètement. Franchement, dans la liste des mods, c'est le premier que je te recommande. Si on ajoutait encore plus de réalisme dans Minecraft. Waouh. Regarde ça. Bien sûr, tu as reconnu les fameux shaders qui rendent le jeu absolument sublime. Qu'est-ce que ça fait les shaders? Bah déjà, regarde l'eau. Juste regarde l'eau. Comme c'est beau. Ça ajoute une animation absolument incroyable sur l'eau. Même dans l'eau, il y a des rayons du soleil et tout. C'est juste incroyablement beau. Si tu regardes bien, ça fait aussi bouger les herbes. Mais aussi les feuilles. Ça ajoute des ombres. Regarde, il y a mon ombre. Coucou. Tout a des ombres, regarde. Ah oui, ça ajoute aussi des nuages en 3D absolument magnifiques. Quel soleil, quoi. C'est éblouissant, mais c'est réaliste. Voilà. On a dit qu'on rendait le jeu comme la vraie vie. Bah les shaders, c'était une grosse étape pour ça. Parce que ça rajoute du réalisme de fou. D'ailleurs, un autre truc, ça rajoute des ombres. Même en intérieur, ce qui fait que c'est giga beau. Regarde un petit peu cette lave, quoi. Comment c'est magnifique. Ça éclaire la pièce tellement c'est beau. Tous les endroits éclairés deviennent magnifiques. Et je te parle même pas de la nuit. Non, mais regarde la nuit. On voit les étoiles. Et bien sûr, la lune. C'est trop, trop beau. Bon, je te vois venir. Tu vas me dire, ouais, bon, ton jeu, il est magnifique. Mais regarde, t'as encore des pixels, quoi, frérot. On voit encore des pixels. Le jeu est encore en 16 x 16. C'est vrai. On a le texture pack de base. Il est grand temps d'améliorer ça maintenant. Waouh, 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 waouh. Non, mais regarde l'herbe. Oh, regarde ça. Je te présente le ressource pack Patrick. Et franchement, il est magnifique. Regarde le détail sur les citrouilles. Tout est détaillé de fou. Attends, mais... Wow, t'as vu les feuilles? Alors là, on n'a jamais vu un arbre aussi réaliste dans Minecraft depuis très longtemps. Hein. Et puis même l'eau. Regarde l'eau comme elle est belle. Ah, les détails sur le gravier, c'est impressionnant. Non, mais ça ajoute tellement de détails. En fait, regarde, on est en forêt là. Regarde. Non, mais attends, c'est un poulet ça? Non, mais c'est incroyable. En plus, regarde, il y a des petites animations. Regarde, il bouge sa tête. Non, mais c'est du génie. C'est trop beau là. Non, mais regarde les chevaux. Oh là là, ils sont tellement classe. J'ai vu un mouton, j'ai vu un mouton. Oh, il est tellement beau. Oh. Oh, ils sont tellement beaux. Non, mais regarde-moi ça. J'avais vu ça dans Minecraft. Et je vais tester tous les animaux. Oh, les vaches. Oh, les vaches. Oh, la vache, on peut le dire. Oh, on peut le dire, mais regarde-moi ça. 20 sur 20, le jeu, frérot. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore? Oh, les petits cochons. Oh là là, attends, fais voir ta tête. Oh, ils sont trop stylés. Non, mais t'as des objets de ouf, regarde ça. Non, mais regarde le cristal. Même une simple table de craft, quoi. Oh, il y a des chats. Non, mais j'adore. T'es trop mignon. Ou le fameux chameau, tu vois, genre c'est impressionnant. Oh, le magma cube, frérot. Oh, le magma cube, tellement stylé. Franchement, ça donne envie de presque tout essayer. Regarde-moi les vaches champignons, avec des vrais champignons au-dessus. Tu sais quoi, on peut encore ajouter plus de réalisme à tout ça. Oh là là, il est tellement beau. Que là, tu sais quoi, c'est pas encore réaliste du tout. On peut faire bien mieux que ça. Mais déjà, là, de base, on est si différent du jeu de base avec deux petits trucs. C'est quand même impressionnant. Alors, déjà, la maison est sublime. Mais surtout, écoute bien, écoute. Tu entends? On entend les oiseaux. Et oui, parce qu'on a ajouté des sons. On a mis deux modes de son. Le golem, frérot, il est tellement magnifique, par contre. Donc déjà, on entend les oiseaux. Là, j'ai remarqué que les villageois, ils ont pas de texture. Bah non, frérot, t'es arrivé quoi? Je suis mort. Donc, qu'est-ce qu'ils font ces deux modes? Pas mal de trucs en vérité. Déjà, quand tu vas dans l'eau, écoute le son de l'eau. T'entends? Déjà, c'est ultra stylé. Mais surtout, quand tu places des blocs, maintenant, tu les entends. Tu vois? Avant, t'entendais pas les blocs, hein. Tu pourras faire le test. Mais il y a encore plus stylé. Déjà, écoute le son dans les cavernes. Écoute ça. T'entends? Ça fait peur un peu. Déjà, la texture est magnifique. Mais surtout, écoute bien. Je vais placer les blocs, il y a un écho. Écoute. Attends, je mets de la pierre. Tu entends cet effet d'écho? Alors, j'ai mis ça au max. Regarde. Ça résonne. C'est incroyable. Ça résonne! C'est impressionnant! C'est impressionnant! On éclaire un peu cette bizarroïde créature qui est finalement un creeper en fait. Frérot, tu lui montes ta tête s'il te plaît? Pourquoi t'es timide comme ça là? Mais sois pas timide! Ah voilà! Oh! Ok, ok, non, c'est bon, j'ai rien dit! Sois sympa! Il y a un petit zombie. Non mais. Waouh, ça fait vraiment flipper Minecraft par maintenant. Hein. Et je remarque aussi qu'il y a du diamant ici qui brille, mais alors la texture diamant. Waouh. Ça brille dans le. Mais regarde, ça brille dans le noir, c'est trop beau! En plus, l'éclairage avec les torches. Regarde, ah ouais, j'ai pas parlé des torches, mais. Oh là là, attends, je vais voir le feu de camp, Non mais regarde-moi ça, frérot, le... Ouah non mais j'ai pas les mots, là, en fait, c'est même bleu, la lumière, non mais... Oh, waouh. Ah, je m'attendais pas à ça, par contre. Oh non, mais là, les cavernes avec la luminosité et tout, l'ambiance, mais c'est du jamais vu. J'ai jamais vu un truc aussi stylé. Mais t'as encore rien vu, frérot. Parce que les sons, ils changent en fonction du biome où tu es, en fait. Par exemple, si on se passe sur une montagne, normalement, on est censé entendre le vent.
C'est sympa, hein. Plus la vue qu'on a, elle est incroyable. Mais surtout, il y a une giga montagne là-bas. Ah oui, puis les biomes de neige. Alors là, je n'ai juste pas les mots, en fait. On est dans la neige ici, là. D'ailleurs, l'ambiance n'est pas la même. T'entends le son? On dirait qu'il fait un peu plus froid. Tu vois, dans une forêt taïga, le son n'est pas le même. Tu vois, on n'entend plus les oiseaux. Il y a plus d'oiseaux ici. C'est une autre ambiance parce qu'évidemment, bah, on est un peu dans la toundra. Et la toundra, je te rappelle, c'est au nord. Ça existe dans la vraie vie, hein. Il y a pas trop d'animaux ici, donc forcément, on n'entend plus les petits oiseaux. Bon, je voudrais passer quand même le petit bonjour à Inox. On est dans les montagnes. Bon, le jeu a du mal, mais c'est normal. Attends, on lui a mis plein de trucs. Et regarde la forêt qui. Mais t'as déjà vu ça, une forêt au milieu d'une montagne comme ça, comment c'est beau? Ah ouais, non, par contre, c'est cool, hein. Je t'avoue, quand on les oiseaux, c'est rassurant. C'est rassurant de fou en vrai. Bon, maintenant on passe aux choses sérieuses. Le mode de physique. Quand je casse des blocs maintenant, regarde, ils se transforment en espèces de petits morceaux que tu peux pousser. Regarde, je peux les pousser. Je te montre, je casse, regarde, et je peux pousser les blocs moi-même. Regarde, regarde ça, c'est impressionnant. Il y a plein de petits détails comme ça. Maintenant, quand tu casses un arbre, regarde, il se casse complètement. Regarde ça, il s'effondre. C'est du jamais vu. Regarde, si tu casses maintenant la base d'un arbre, par exemple cet arbre-là, tu vois, tu le casses et regarde-moi ça, l'arbre se casse petit à petit. C'est du jamais vu et c'est ultra beau. Genre, c'est vraiment incroyable. Regarde-moi cette armure en diamant, frérot. Note l'armure sur 20, quoi. Alors, maintenant que nous sommes ici, je vais te montrer un peu le mode physique, comment il est incroyable. Tu vois, zombie, regarde. Boum! Boum! Regarde, il s'est écrasé en morceaux. Ça fonctionne avec tous les mobs. Hop, regarde bien. Hop. Hop là! En morceaux! Et ça, regarde, un squelette. Hop. Hop. Hop là! Oh, il y a un Enderman. Il y a un Enderman. Attends, est-ce qu'on va y arriver? Ok. Ok. Oh, wow! D'ailleurs, ça a changé un petit peu la fumée, j'ai remarqué. Ah ouais! Alors, c'est un tout petit peu bugué avec la couleur, mais la fumée, elle reste coincée au plafond, tu vois. Mais t'as plein d'autres trucs comme ça! Déjà, normalement, ça marche aussi avec les animaux. Désolé, petit cochon. Hop, waouh! Ah ouais, non, là, par contre, c'est... Le villageois, je suis désolé. Oh, waouh, ok. Oh, il tombe! Oh, incroyable! Désolé! Je teste des trucs. Non, mais c'est impressionnant. C'est... Vraiment, c'est un truc de fou. Oh, les côtelettes. Oh, les détails des côtelettes. Oh oui, quand tu jettes des items au sol, regarde, ils tombent au sol en mode 3D. Regarde, tu peux jeter tes items en mode 3D au sol. Parce que tu vois bien que, regarde, tu peux jeter tes items comme ça. Alors, je vais te montrer dans une maison. On verra mieux. D'ailleurs, tes animations de porte. Regarde ta porte. Regarde ta porte, comment elle est animée. Animée. Hop là, j'ouvre, le ferme la porte. C'est... Le lit est magnifique. Tiens, regarde, c'est magnifique, épée en nésorite. Ça marche bien avec les items, tu vois, l'épée en nésorite, ça fonctionne très bien, on voit très très bien l'épée. Mais t'as encore plein de petits détails aussi, un peu rigolo. Par exemple, si tu prends des petites vines, on va les poser ici, on va la laisser pousser tranquillement. A few moments later. Regarde, quand je passe, ça pousse littéralement les petites lianes. C'est du jamais vu, regarde. Tu peux t'amuser comme ça à pousser les lianes. C'est impressionnant. Tu sais, tu peux mettre des panneaux comme ça. Tu mets un panneau flottant comme ça. Maintenant, tu peux le pousser aussi, regarde, avec ta tête. Hop là, coup de tête. Oh oh, alerte au gogol. Les détails de la pierre, c'est impressionnant. Même les vitres, waouh. Il y a encore d'autres trucs incroyables à voir. Et là, tu vas halluciner. On va se prendre des petites bannières. Voilà. On va mettre des bannières. Déjà, c'est comme des drapeaux. Regarde, ça flotte au vent. Regarde bien, ça flotte au vent, regarde. Mais surtout, quand tu passes dedans, comme toujours, là, tu peux les pousser. Voilà. Ça, c'est du détail, frérot. Mais franchement, voir ça dans Minecraft, on dirait même plus qu'on est dans Minecraft. Là, actuellement, j'ai plus l'impression de jouer à Minecraft, tu vois. Un autre truc, la canne à pêche qui est ultra stylée a maintenant une animation stylée aussi quand tu pêches, regarde. Regarde, hop, j'ai un petit câble, t'as vu, qui part comme ça. Et du coup, je peux voir un peu ma ligne de pêche, regarde, c'est animé, je peux onduler la ligne, comme ça, tu vois. Hop là, et c'est impressionnant comment c'est stylé. Maintenant, regarde, quand tu balances des boules de neige, regarde ça. Il y a une petite animation, regarde, regarde, elle reste là, regarde, les boules de neige restent en place. Et tu peux après t'amuser avec, tu vois. Un peu comme un ballon de football. Les œufs, c'est un peu le même principe. Oh, un petit poussin. Oh là là! Mets un like pour le poussin, il est magnifique. Tu vois, les œufs se balancent un peu partout, tu vois, ils restent un peu en place. Tu vas taper dedans, en fait, avec tes pieds, tu vois. C'est impressionnant quand même. Alors, un autre truc que je t'ai pas montré. Tu remarques que l'eau a des petites vagues. On va aller voir la mer. Ok, nous voici en mer. Et si tu regardes bien, maintenant, il y a des vagues dans Minecraft. C'est ultra stylé. C'est impressionnant. Et surtout, surtout, ça marche. On va prendre un petit bateau, hein. Voilà, on va se mettre en mer. Et là, si tu regardes bien, et bah, je veux dire, c'est impressionnant à quel point, bah en fait, je suis en train de faire littéralement du bateau dans Minecraft pour de vrai, quoi. C'est-à-dire que là, les vagues, tu vois, on peut, hop, on peut sauter à travers les vagues. L'animation est folle, je veux dire, c'est du jamais vu, quoi. C'est impressionnant. Et regarde, en première personne, ce que ça donne, j'ai l'impression de vraiment faire du bateau dans Minecraft. Ça, c'est un truc de ouf, franchement. Et d'ailleurs, un autre détail, c'est que là, tu vois, on est en pleine mer, donc il y a des grosses vagues, en vérité. Mais quand tu passes dans un lac, regarde ici, alors la transition est un peu violente, hein, mais tu remarques que là on est dans une eau un peu plus calme, c'est beaucoup plus calme, comme finalement un lac, ce serait finalement beaucoup plus chill. D'ailleurs, un autre truc à savoir avec l'eau qui est plutôt intéressant aujourd'hui, qui a changé, si tu t'amuses,
à mettre de l'eau de base. C'est comme une source d'eau classique, juste trop stylé, transparent. Mais maintenant, il y a un truc un petit peu secret qu'ils ont rajouté. En fait, c'est encore plus simple. Il suffit que tu places une table enchante, que tu la casses, et bien ça te fait une espèce de fontaine à eau. Regarde, infinie avec de l'eau comme ça qui tombe, qui tombe, qui tombe, qui tombe. Et c'est ultra stylé parce que c'est de l'eau vraiment animée et tout en 3D. Enfin, c'est stylé quoi. Faut dire les termes. C'est classe de fou. Les feux de camp. Il y a maintenant un phénomène de fumée. Donc si tu mets un feu de camp en dessous, par exemple, un arbre comme ça, la fumée va s'accumuler. Alors plutôt ici, voilà, et va se coincer sous les feuilles. Maintenant, on va faire une expérience scientifique. On va aller chercher un donjon. Ok, je crois en avoir un. Voilà. Dans les jeux des donjons, si tu remarques un truc, un effet de lumière violet ultra stylé. Maintenant, si on met plein de feu ici, est-ce que ça va remplir la pièce de fumée? Puisque la fumée peut pas partir. Donc on va essayer de faire ça. On va refermer ici. Voilà. Là, on a fermé, tu vois ici. Alors ouais, faut faire attention à ça, parce que dès que tu casses un truc, ça casse un peu tout aux alentours. Alors, on remarque que ça fonctionne plutôt bien quand même. On voit pas grand chose et la fumée est bien au plafond. Donc c'est ultra stylé. Donc ouais. Quand tu casses quelque chose, en fait, ça va casser tout ce qui est directement à côté. Donc ça, ça peut être customisé. Tu peux le désactiver pour que ce soit comme d'habitude, comme avant. C'est pratique. Oui et non, parce que des fois, tu casses un bloc et ça casse tout ce qui est au-dessus du plafond. Mais globalement, c'est quand même stylé, il faut dire les termes. Maintenant, un autre truc que je vais te montrer, regarde. Là, tu le vois ici. Ça implique la neige. Regarde-moi cette neige. Il y a rien qui te semble bizarre là, t'as pas l'impression? Regarde, déjà on fait des trous dans la neige. Je vais te montrer, tu vois, quand on marche ici, ça laisse des traces un peu comme dans un jeu moderne, tu vois. Déjà, je sais pas si tu vois, on voit nos traces dans la neige. C'est incroyable. Mais surtout, bah la neige est un peu en 3D, je sais pas si tu vois, mais c'est pas tout plat en fait, c'est rond en fait. C'est littéralement rond. Qui fait que tu peux t'amuser, d'ailleurs, regarde, mais c'est incroyablement stylé. Tu peux t'amuser à créer par exemple une petite style d'art comme ça, tu vois. Et par exemple, si tu crées, je sais pas moi, une structure comme ça, bah tu remarques que ça fait un petit peu très ça fait très musée en fait, hein. Finalement, ça pourrait faire musée d'art. Tu peux t'amuser à créer des trucs et c'est tout rond. Et ça dans Minecraft, c'est magnifique, surtout quand tu casses ça, bah ça casse tout évidemment, tu vois. Mais c'est quand même giga stylé, il faut dire les termes. Cet effet 3D là de neige, il est impressionnant. Vraiment. Surtout que, en vérité, c'est génial qu'il y ait des trucs qui soient pas forcément tout le temps carrés dans ce jeu. Et le fait qu'il y ait ça, franchement, je t'avoue, c'est un ajout qui fait quand même très plaisir, hein. Parce que, sincèrement, moi je trouve que c'était un peu trop de cubes. Alors, un autre truc que je vais te montrer qui est ajouté. En vrai, tu le vois un petit peu ici. Regarde un petit peu cette magnifique zone avec ce petit, ces petites rivières là entre les deux collines. Bah, en fait, on a un mode qui permet de changer la génération du jeu. Alors, c'est un peu plus difficile à voir, on le voit pas comme ça, mais en fait ça crée des décors un peu plus stylés. Tu vois, par exemple là t'as vraiment regarde ça, une rivière qui traverse une montagne en deux, enfin qui coupe une montagne en deux, tu vois. C'est quand même très joli. Regarde, là pareil, on a le même principe, tu vois. Tout a été un petit peu adouci, la génération est plus réaliste. Et là par exemple, tu vois, t'as ces magnifiques montagnes à l'infini qui de base, bah tu peux pas trouver ça dans ton monde Minecraft, ça existe pas, tu vois. Bah là maintenant ça existe. D'ailleurs je vais te montrer les traces dans la neige. Tu vois, regarde, si tu marches, là on va bien voir parce que c'est plat. Tu vois, regarde à mes pieds, regarde. Voilà, là on voit bien, je suis en train de créer une trace dans la neige comme dans la vraie vie en fait. C'est très impressionnant. Et donc t'as ces giga montagnes infinies, très jolies, qui sont du coup, comme je disais, propres à un mode qui s'appelle Tectonium. Et qui te permettent d'avoir ces énormes biomes comme ça, giga stylés, tu vois, dans Minecraft. Et ça c'est impressionnant. Et donc tu vois, en gros, ça crée des paysages. Par exemple, tu vois là, ici, on a une belle rivière ici qui crée une île. Tu vois, regarde, tu ferais pas ça souvent dans Minecraft de base. En gros, ça rend la génération un peu plus jolie, voilà. Là, par exemple, tu vois, on voit que les formes des mobs sont plus naturelles. Là, on a une île, en fait. Juste une île avec du bois de bouleau. Là, on a une petite zone ici avec un très joli village, tu vois, entouré d'une très jolie montagne, protégée par les montagnes par ici, tu vois. En gros, ça rend la génération, c'est un peu subtil, ça rend la génération plus jolie. Alors, évidemment, il faut avoir la distance très élevée pour en profiter, sinon ça sert à rien, tu verras pas grand chose. Mais là, tu vois, ce genre de biome, tu le verras pas dans Minecraft. Tu vois, les transitions entre les biomes sont plus jolies, sont plus naturelles, et ça rend le jeu vraiment plus magnifique de manière globale. Et ça, c'est vraiment sympa. Et bien, je pense que là, on a bien transformé notre Minecraft, hein. Franchement, avec tous les ajouts, on a presque l'impression de jouer à Minecraft 2, finalement, plus qu'à Minecraft, et ça, c'est vraiment très cool. Dis-moi en commentaire si tu veux une survie d'ailleurs, parce que j'hésite à lancer une survie ultra réaliste. Avec tous ces modes là, on pourrait survivre dans un monde ultra réaliste. Ça peut être vraiment très cool comme concept. Voilà, c'était tout simplement ces modes rendent Minecraft ultra réaliste. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, abonne-toi, petit pouce bleu, active la cloche. Et lâche ton meilleur team capitaine dans les commentaires. Très très important, je t'invite à regarder une autre de mes vidéos qui s'affiche sur ton écran. Comme ça, on reste ensemble. On se retrouve directement dans une autre de mes vidéos. Je te dis à tout de suite.